Yo les gars, c'est Pity, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la E7. Donc c'est le top 5 trickshot of the month du mois de mai 2014. J'espère que vous êtes chaud. On commence tout de suite donc avec à la 5ème place E7 Yuken. Il est sur Afghan, bon il règle toujours pas, etc, etc. Et il va nous sortir une putain de camo barrette. Donc il va monter sur la queue de l'avion là. Et hop, tac, knife flip, 4 shots, 1080 avec un petit reload au milieu. Tranquillement, avec une belle distance. GG à toi Yuken. Quatrième place donc de ce mois-ci, on retrouve cet MKB. Il va nous lâcher un petit double weird twist. C'est PP 2000 Akimbo en 1080 wallbang sur Quarry. Super calme, super clean. On se la regarde. 1, 2. Et boum, en wallbang. Donc, bien joué à toi MKB. Troisième position ce mois-ci, E7 Nick. Donc on est sur Red, le seul clip BO2 de ce top 5. Hop, il a paralysé l'ennemi et là, il lâche un petit 1080 suicide avec son pompe et en avec un petit charge électrique switch, voilà. Donc on la regarde, il tire le pompe, hop, le petit verrou et 1080. Bien joué à toi Nick. Deuxième position ce mois-ci, un clip super original qu'on vous a sorti. Donc il y a deux sets sur ce clip. D'abord E7 Slash, il va nous lâcher un petit 1080 Weird Twist Clemo Windows Shot, donc sur des rails. Il met HTM. Il veut rush shot et E7-6 lui fait « Non mec, laisse-moi rush shot pour toi !» Et il va lui-même mettre une cam au ladder. Voilà donc, magnifique petit combo de clip, vraiment sympa. On a hésité à le mettre premier, mais on s'est dit que le clip qui va venir là sur Subbase avec Regvi valait vraiment le coup d'être premier ce mois-ci. Il va tag l'ennemi au cross. Hop, 4 shots. Petit 720 fakey. E-cross map, donc je pense que la cam est nos setup. Mais en tout cas, la distance, le spot, le shot est clean. Il y a vraiment tout dans cette gamme pour faire un magnifique premier. Donc, bien joué à toi, Regvi. Et donc, c'est tout pour le top 5 de ce mois-ci. Donc, merci à Vidia encore une fois pour les nameplates. Et puis, je tiens à vous dire qu'on s'excuse donc pour l'inactivité sur la chaîne. Enfin, c'est la période d'examen et avec le bac, certains bon, passent le brevet pour les plus jeunes. Et donc, c'est compliqué de sortir des vidéos, les éditeurs ont pas forcément de temps pour éditer, etc. Mais voilà, avec les vacances, normalement, on retrouvera un rythme de vidéos beaucoup plus régulier. Pensez à aller voir le teamtage des 4 ans de la E7 si vous l'avez pas vu. Et puis voilà, moi je vous laisse. On se retrouve le mois prochain. Tchou !